commencé à le faire. Détruit
jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Verset 23e. Les ciels sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Verset 33 à 34. Les spectacles que tu auras sous les yeux te jettera dans les délires. Donc 33, je demande d'abord, un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits de ton sol et tous les produits de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Les spectacles que tu auras sous les yeux te jettera dans les délires. 37 à 40. Et tu seras un sujet d'étonnement, des sarcasmes et des railleries parmi tout le peuple chez qui l'Éternel te menera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une ferme des récoltes car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récoltes car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toutes les tombes de ton pays, mais tu ne tourneras pas d'huile car tes olives tomberont. Verset 66 ainsi que verset 67, toujours les Deutéronome 28. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans les froids qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Avant de toucher notre quatrième point dans les canevas, qui est la malédiction, une réalité spirituelle dévastatrice au palmarès fourni, je voudrais faire un certain nombre de choses. La première, en groupant certaines choses que Dieu m'a mis à cœur de mentionner tout au début, et je fais ressortir ces cinq vérités, ces cinq choses que Dieu a placées dans mon cœur. La première, j'aimerais que vous ayez conscience que ce lieu sur lequel nous nous trouvons est un territoire conquis. Et que l'étendard de Christ est planté en ces lieux. Et que seule sa seigneurie et sa seigneurie seule domine. Si vous croyez en cela, dites Amen avec moi. La deuxième chose que je voudrais dire, et je voudrais prévenir certains, c'est que tout à l'heure, quand nous serons en train de prier, certaines personnes qui ne pensaient pas et qui ne soupçonnaient pas avoir un problème spirituel vont se retrouver dans un état inimaginable. Il est possible que c'est seulement peut-être vers 20h, 20h30, tu te réveilles, tu te rends compte que tu es dans un bureau et que tu ne saches pas comment tu es parti de l'endroit où tu étais assis de l'autre côté. Je voudrais te rassurer, n'en aie pas honte, réjouis-toi plutôt parce que c'est une solution et pas un problème. Et j'en ai fermement la conviction parce que Dieu me l'a dit. Il va toucher les problèmes des personnes qui ne soupçonnaient n'avoir rien. Ce n'est pas parce que tu ne penses avoir rien que tu n'as rien. La troisième des choses, et ça je voudrais me mettre d'accord avec nous tous, mais aussi avec le protocole, il est possible que quand des phénomènes comme ça se passent, ça arrive souvent à l'improviste, que quelqu'un tombe et le protocole les ramasse. Vous savez, dans des endroits comme ceux-ci, on n'a pas que de sang. Alors je voudrais protocole ou intercession. Rassurez-vous, s'il avait fait quelqu'un tombe, qu'on est en train de l'amener pour la prière, s'il avait une Bible, un sac ou quelque chose, rassurez-vous de ramener ça. Sinon, d'autres personnes qui ne sont pas saintes vont profiter, lui, à la délivrance et ils ont les restes. Mais si l'aventure est un appel, je ne sais pas comment Dieu va nous diriger, va nous conduire. Je vous serai appelé à venir si vous rentrez avec tout ce que vous avez. Quatrième et avant-dernière chose que j'estime aussi d'une grande importance, quel que soit ce que Dieu va faire et accomplir, je vous supplie. N'ayez pas les regards tournés vers Pasteur Timothée, Maman Toti et moi, nous sommes que des humains. Nous sommes que des canons. Rendez toute la gloire à Dieu. Il y a des choses que Dieu n'aime jamais partager avec les humains, c'est sa gloire. Et ne vous mettez pas en porte à faux devant lui et qu'il nous frappe pour rien. Nous-mêmes, nous allons faire un effort pour tourner les yeux et les regards des hommes vers lui et lui seul. La cinquième et dernière des choses que je voudrais mentionner, et bien Dieu merci, le pasteur Timothée l'a presque rappelé,
Je voudrais vraiment le dire tel que Dieu me l'a dit hier. Cette soirée est la soirée de, à la fois d'un point final dans le style de vie, mais aussi d'une inauguration d'un autre style de vie. Dieu m'a dit, cette soirée, c'est le premier jour de tous les restes de la vie dans la vie de quelqu'un. J'y crois fortement. Mais avant de toucher le quatrième point de ce soir, Dieu m'a mis à cœur de compléter notre enseignement d'hier. Où nous parlions du monde spirituel, nous parlons à la fois des anges et des démons. Et parlant des démons, nous avons fait mention de plusieurs choses. Ce soir, avant de toucher notre point sur la malédiction, je prends juste trois dernières vérités, trois derniers principes en rapport avec les démons que je voudrais mentionner. La première, c'est que concernant les causes des possessions, il peut y avoir plusieurs causes. Plusieurs. La première, c'est que les personnes, j'en fais ressortir trois, les personnes peuvent être directement la cause et la porte ouverte des possessions démoniaques. Consciemment, la cause et la porte ouverte des possessions démoniaques. Mais il arrive aussi, les personnes peuvent être la porte ouverte des possessions démoniaques indirectement. Il y a des actes posés par les parents, mais qui se répercutent sur les enfants. Il y a des actes posés par les tuteurs, alors qu'ils ont des enfants en bas âge, et ces choses se retrouvent. J'ai connu le cas d'une jeune fille, j'ai dirigé la jeunesse là-bas en 93, 28 ans, 4 cas de fiançailles. On va parler contre eux quand nous toucherons la malédiction. Et les fiançailles ont presque chaque fois duré, c'est les fiançailles qui ont duré des mois, ont duré 8 mois, l'autre c'est une année et demie. Mais chaque fois c'est à une semaine du versement de la dot. Les garçons changent d'avis. 4 fois. J'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai de malédiction, ceux qui sont logés, qui vont dire coïncidence. Un mot savant. Jusqu'à ce que ce samedi-là, alors que nous avons fini la réunion de la jeunesse, elle est venue présenter en disant, en pleurant, en disant la dernière rupture vient d'avoir il y a quelques temps. Et alors que nous étions en train de prier pour elle avec des amis, l'Esprit de Dieu a saisi un qui était là. La jeune fille avait 28 ans et dit, je vois une scène qui se passe il y a 29 ans. Tu n'étais pas encore né. Il dit, je ne connais pas ta famille, on dirait que vous êtes né à deux. Il y a un grand frère qui est né, entre vous deux, il y a l'écart de 11 ans. Entre la naissance de ton frère et toi, il y a eu 11 ans, maman n'avait pas d'enfant. Et maman a commencé à chercher par tout le moyen à avoir un enfant. Et cette personne avait une précision chirurgicale dans la parole des connaissances. Je vois une adresse à Yolo et cite même le nom d'un homme féticheur marabout. Et puis il m'a soufflé à l'oreille et dit, je n'ai pas le courage de lire tout le reste, je voudrais qu'on voit ça. Toutes les informations qui ont été données, puisque ça datait d'avant sa naissance, elle était au courant de rien. Les soirs, puisqu'elle était longue, allée voir sa mère, on l'a pris des côtés. Est-ce que tu as deux enfants? Oui. Entre celle-ci et l'autre, il y a exactement 11 ans de différence. Tu te souviens de telle adresse à Yolo? Oui. Tu te souviens de telle personne? Oui, mais comment vous connaissez? L'Esprit de Dieu a saisi telle personne. Et puis il dit, pardonne-moi, maman. Dieu me dit que quand tu es allé chez ce marabout, chez féticheur, il a dit pour que le chemin de la conception s'ouvre, tu devais aller avec. Et tu es allé avec ce féticheur 3 fois. Vrai ou faux? Tremblé. Et la personne lui dira, au fait, cet enfant n'est pas l'enfant de ton mari, c'est plutôt l'enfant du féticheur. Et cet homme dans le monde spirituel a sacrifié cet enfant en disant qu'il ne se mariera jamais. Et c'est cet homme qui chasse les hommes et qui vient chaque fois les chasser juste à
Et quand on a fini, on a fait revenir la fille, on a commencé à prier. Je vois comment la maman tremblait, la voix d'un homme. Et elle-même dira plus tard, elle a reconnu la voix de cet homme et qui a donné sa voix, son nom. C'est moi, X. C'est non seulement ma fille, mais c'est aussi ma femme. La pauvre. Elle vivait des ruptures de fiançailles, on lui condamnait les problèmes, les comportements. Alors qu'il n'y avait rien de tout ça. La Bible dit en Isaïe, on disait les parents ont mangé des raisins verts. Et les enfants ont les dents agacées. C'est bizarre, c'est quelqu'un qui mange des raisins verts qui doit avoir les dents agacées. C'est quelqu'un d'autre qui mange des raisins verts. Et une autre personne a les dents agacées. Mais Dieu merci plus tard, on disait, on les dit à plus. Amen. Deuxième voie, toujours dans ce premier point, concernant les causes. Et l'Esprit de Dieu m'a dit d'insister là-dessus. La voie sexuelle est l'une des voies par excellence des possessions démoniaques. La voie sexuelle. Jeunes gens, fils et garçons, vous qui grandissez, les désirs commencent à grandir, les instincts, mais vous attachez par un point. Trentaine d'années que j'ai dans la foi, 29 ans dans les ministères et 26 ans dans les ministères pastoraux, j'en ai vu et j'en ai entendu. La voix sexuelle, c'est une voix terrible des possessions démoniaques. Les relations sexuelles ne sont pas simplement un contact physique, c'est un contact aussi spirituel. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. C'est un lien plus que physique. Il y a un côté mystique attaché à la relation sexuelle. Et je vais encore plus loin. Si la relation sexuelle est une possibilité de possession pour toute personne, même pour l'homme, ça va peut-être étonner et choquer certains, bien plus encore pour la femme. Pourquoi? Parce que dans les rapports sexuels, la femme souffre. Elle souffre. Elle se donne. Elle souffre pas seulement physiquement, elle souffre aussi spirituellement. Ne vous ouvrez pas n'importe qui. Vous ne savez pas qui est qui. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. » Une autre version dynamique dit, « Devient un seul esprit. » Tu penses simplement que c'est un contact physique. Mais ça va au-delà. Que des choses n'ai-je pas vu, que des choses n'ai-je pas entendu. Troisième chose, concernant toujours les causes, il y a deux types de personnes lorsque la possession arrive. Premièrement, il y a des agents causaux, conscients. Il sait qu'avec ce qu'il fait avec toi, il t'est fait posséder. Je les appelle des agents causaux conscients. Qui savent non seulement ce qu'ils font, mais ils savent aussi pourquoi ils le font. Mais de l'autre côté, il y a des victimes, la plupart des fois, innocentes, inconscientes, mais qui subissent. Je ne vais pas citer les noms de ces musiciens célèbres. Cette jeune fille est allée 4 fois avec ces musiciens célèbres. Et puis, subitement, elle a commencé à avoir des pensées de mort. Et j'aime quand on prie avec, dans notre petit groupe, il y avait quelqu'un qui avait les crises des prophéties. Et il a dit, je te vois, et il cite les noms du musicien, avec tel musicien. Je vois sur Avenue Ma Campagne, Avenue La Source, tel guest house. Il a deux fois fait dans la chambre 32, et une fois dans la chambre 30, et la toute dernière fois dans la chambre 28. Et j'aimerais te dire deux choses. Chaque fois que tu allais avec cet homme, je faisais passer cela comme si c'était de l'exotisme. Il plaçait des bougies multicolores au pied de lui. Bougie jaune, bougie rouge, bougie verdâtre. Il disait, j'aime ça, ça fait exotique. Et deuxièmement, il est obligé de porter les dessus des couleurs noires et rouges. Et si les dessus noirs, le bas doit être rouge. Toi, tu penses simplement que ça fait beau. Or, dans le monde mystique, les rouges et les noirs sont des couleurs de sacrifice.
Et l'ami dit, vois, je vois une dernière chose. Les quatre fois où vous êtes allé, il t'a mordu au cou. Fortement. Pourquoi il est dans les vampirismes? Mais il t'a fait passer ça comme si. C'est pour ça que j'ai dit, quand ces choses arrivent, il y a les agents causaux conscients. Il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que je suis quelquefois triste. Quand on voit un grand musicien dire à concert, tout le monde en blanc et tout. Soirée noire et blanc. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Eux, ils savent ce qu'il y a exactement. Une autre jeune fille est venue prier avec nous alors que je dirigeais la chaînesse là-bas. Alors qu'on était en train de prier, l'ami qui conduisait la prière, et cette jeune fille a 19 ans, j'aurais depuis l'âge de 17 ans à placer un signe de soustraction sur sa tête. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'elle devait vivre jusqu'à 68 ans, mais là ça a été réduit à 24 ans. Il dit, cet homme qui allait avec toi pour la première fois, les jours où vous allez ensemble, il faisait comme un signe. Mais il est en train de me dire, j'aime bien ton visage ici. Apparemment, signe anodin, avec des réalités spirituelles. Deuxième chose que je voudrais mentionner pour finir avec la possession et les démons, c'est que l'une des grandes stratégies du diable, lorsqu'il possède un corps au travers de ses démons et il occupe une vie, sa stratégie la plus utilisée, c'est une stratégie attachée à l'arme, on appelle ça les camouflages. Il aime toujours là où il est, faire croire qu'il n'est pas là. Enlever tous les signes, tous les symptômes qu'il n'est pas là. Ne faire rien soupçonner. Faire diversion. Faire croire qu'il n'y a rien. Sans le feu que l'apôtre Paul a fait rentrer dans cet tas de broussailles, on n'aurait jamais su qu'il y avait un serpent dedans. Je le crois ce soir, tout ce qui était caché, tout ce qui était dissimulé, le feu de Dieu est tellement ici et ça ne peut résister. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Amen. Dans les récits de Luc 13, au verset 11, sans les yeux spirituels de Jésus, derrière les problèmes physiques que cette âme, cette femme avait, on n'aurait pas su que cette maladie physique avait une origine spirituelle. Qui pouvait savoir que c'est un esprit qui courbait sur les squelettes de cette dame? Dans Acte 16, verset 16 à 18, sans les discernements de Paul, on aurait cru que cette jeune fille qui disait l'avenir, non, c'est un nom qui s'est transmis de mère en fille, de génération en génération. Troisième et dernière chose, je vais clore et toucher à ce qui est aujourd'hui. Les démons ou esprits mauvais dans une vie ne font jamais du bien. Quand ils occupent un corps, quand ils occupent une vie, ils ne viennent te faire du mal. Dans Jean chapitre 10, au verset 10, Jésus-Christ parlant de l'œuvre du diable, il y a le voleur ne vient que. Les diables ne savent pas et les démons ne sont jamais les généralistes, ne sont les spécialistes. Il ne vient que, ça ne sait rien faire d'autre. Il vient pour dérober. Et le terme dérober ici veut dire s'emparer de ce qui est ou de ce qui appartient à autrui en prenant cela sans être vu. Mais deuxièmement, au plus que dérober, il vient pour égorger, anéantir, en faisant couler dehors ce qui était dedans. Mais troisièmement, il vient pour détruire. Destruction telle qu'elle est mentionnée ici, en grec veut dire modifier l'aspect d'une chose ou d'une personne négativement, de manière à ce qu'on ne puisse plus la reconnaître, détruire. Ce soir, Dieu va aussi s'occuper de tout cet ennemi à essayer de détruire. Si le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober, le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie, et aussi la vie en abondance. Mais ce soir, nous voulons principalement parler d'une réalité spirituelle, ravageuse, destructrice,
a amené dans plusieurs vies la malédiction. Je voudrais mentionner six vérités attachées à la malédiction avant de terminer avec 12 principes concernant la malédiction. Et puis nous prendrons du temps dans la prière. Qu'est-ce que je voudrais qu'on ait du temps? La première vérité que je dois dire en rapport avec la malédiction, c'est que la malédiction, la meilleure image qui la représente, c'est l'image qui est mentionnée dans le Proverbe chapitre 7, verset 26. Parlant de cette femme prostituée qui avait rencontré ce jeune homme stupide. Et ce jeune homme stupide qui a fini par être détruit. Écoutez ce que Proverbe 7, verset 26 dit de cette femme. La Bible dit, elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. On peut dire la même chose de la malédiction. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux ceux que la malédiction a tué. J'aime ce que la version française courant dit. Elle a blessé et ruiné beaucoup. Même des hommes les plus vigoureux ont été ses victimes. C'est ce que la malédiction fait et est capable de faire. La version parole des villes abonde même dans la même direction en disant, elle a blessé beaucoup de gens et les a fait tomber. Et pourtant, tout ce qu'elle a fait tuer est fort. C'est ce que la malédiction fait. Deuxième vérité attachée à la malédiction. Les mots malédiction dans la Bible a plusieurs sens et plusieurs significations, en gros trois principalement. Je le disais hier, les mots malédiction dans la Bible va au-delà de sa racine latine, malédicter, dire du bien en souhaitant que le mal arrive. Non, la malédiction dans la Bible va au-delà de cela. Trois significations. Première signification de la malédiction selon la Bible, c'est vouer quelqu'un à un malheur irréversible et irrévocable, mais par des paroles ou par des rites. Vouer quelqu'un à un malheur irréversible et irrévocable, par des paroles ou par des rites. Deuxièmement, la malédiction, c'est faire du mal à quelqu'un ou les condamner à l'infortune ou à l'absence des réussites, mais par des paroles efficaces. Faire du mal à quelqu'un ou les condamner à l'infortune ou à l'absence des réussites par des paroles efficaces. Troisième sens ou signification de la malédiction selon la Bible, c'est procédé mystique ou mystérieux, utilisant soit des paroles, soit des formules par lesquelles on condamne quelqu'un à l'échec, à la ruine ou à l'absence des réussites. Troisième vérité que je voudrais que vous puissiez noter, c'est que bibliquement parlant, la malédiction a deux formes ou deux niveaux. Le premier niveau que des fois les hommes utilisent sans résultat, c'est le niveau le plus faible, c'est les simples souhaits. Ça, c'est même pas de ça que l'on parle. Mais le deuxième niveau, c'est des sales objets de l'entretien. C'est pas un souhait, mais c'est un équipement spirituel. Quand on parle de la malédiction, ça veut dire qu'on équipe spirituellement quelqu'un et cet équipement les condamne à l'échec. Il est obligé d'échouer, quoi qu'il fasse, quels que soient les atouts et les compétences qu'il a. Et les Juifs disaient que la malédiction, ce n'est pas des paroles. Ils disaient que la malédiction était comme un vêtement spirituel. Que les gens que nous voyons apparemment bien habillés, mais au-delà de cet habit physique, ils ont un habit spirituel. Et la Bible le montre très bien dans le psaume 109, au verset 18. La Bible dit, c'est le psalmiste qui parle. Il dit qu'il revêt la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur et comme l'huile dans ses os. Pour montrer la malédiction, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de pénétrant, d'attaché, qu'il revêt la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Je prie ce soir que Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, enlève ses vêtements, quelle que soit la colle qu'on a placée pour que ça puisse attacher à lui. La version française courant dit, il s'est comme habillé de malédiction
Alors elle est entrée en lui comme l'eau. Elle a imbibé comme lui. Qu'à dire vérité, la première fois que le mot ainsi que la réalité de la malédiction sont mentionnés dans la Bible, étonnant, c'est la vient de Dieu. La première fois où le mot malédiction est mentionné dans la Bible, c'est Dieu qui la prononce. Et ce qui bientôt nous allons le voir tout à l'heure, Dieu prononce des paroles, et c'est la montre que la malédiction n'est pas quelque chose seulement des paroles, mais cela a des effets dans le matériel. Le serpent ancien vient de dévoyer, de conduire Ève ainsi qu'Adam dans la mauvaise direction. Genèse 3, verset 14, nous montre trois choses concernant cette malédiction. La première, elle touche le serpent. Deux, elle parle des paroles, mais a des effets dans la matière. Et troisièmement, elle est irrévocable. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, c'est Dieu qui parle. Tu seras maudit. Ce n'est pas un souhait. Tu seras maudit. Je t'ai rêvé de l'infortune. Et il continue entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Oh, écoutez la suite. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Compréhension simple sans avoir une révélation. Donc ça montre qu'avant la malédiction, les serpents avaient un autre moyen de locomotion. Peut-être qu'ils sautaient. Dès l'instant où Dieu l'a maudit, Dieu dit désormais, tu marcheras sur ton ventre. Sûr, il a essayé de faire un effort, de revenir, c'est fini. Il ne peut plus parce que la parole de Dieu est puissante. Quatrième vérité. Cinquième vérité, c'est que partout où elle est présente, il y a plusieurs choses qui arrivent. Partout la malédiction est présente, il y a plusieurs choses qui arrivent. La première, il y a baisse ou absence des qualités de vie. Soit la qualité de vie baisse ou elle disparaît. La qualité de vie est affectée négativement. La productivité est réduite. On n'a soit pas ou peu de résultats. Ou alors si on a des résultats non satisfaisants. Genèse chapitre 3, verset 17, quand Dieu finit par maudire le serpent, il se retourne vers l'homme, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Oh, écoutez, le sol sera maudit à cause de toi. Et quelles sont les conséquences? Il dit, c'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Ce sol qui avait une productivité facile, désormais tu auras difficile à avoir de ce même sol. Sa qualité est affectée, sa productivité n'est plus la même. Dans la version française qu'on dit, tu auras beaucoup de peine à attirer ta nourriture du sol. Parole de vie dit, tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour en tirer ta nourriture. Deutéronome chapitre 28, que nous avons lu. Verset 38, ainsi qu'au verset 40, nous montre les effets de la malédiction sur la productivité et la qualité des résultats. Écoutez ce qu'il dit. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, mais tu feras une faible récolte. Pourquoi? Car les sauterelles la dévoreront. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Le verset 39 ajoute, tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin. Tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Verset 40, tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, mais tu ne trouveras pas d'huile, car tes oliviers tomberont. Malédiction. Sixième et dernière vérité attachée à la malédiction, alors que je pose le fondement. Et là, je voudrais équilibrer certaines choses en disant que tout échec, toute infortune, même répétée, n'est pas forcément la malédiction.
Je voudrais bien équilibrer les choses. Parce qu'il arrive des fois, on commence à avoir la malédiction partout, même là où elle n'est pas. Un petit échec, un petit concours par-ci, par-là. Ah non, je suis maudit, pas forcément. Il y a des échecs et même des infortunes répétées qui sont dues à notre incompétence, à notre médiocrité. Oui, tu faisais un terme actuel chez les Congolais. À notre façon de faire peu, très peu cas des choses. À notre très peu d'expertise. Et cela n'est pas forcément la malédiction. La malédiction, contrairement aux échecs normaux et aux infortunes normales, est d'abord une réalité spirituelle. C'est-à-dire, il y a une cause et un soubassement spirituel. Mais je vais ajouter une autre chose. Dans la vraie malédiction, il y a toujours l'effet des répétitions. Répétition. Je priais ce matin et Dieu a montré une jeune fille à 4 reprises. On amène vers elle un bonbon succulent. Elle commence à sucer elle-même. J'ai l'impression qu'elle a sucé les 2/5 et puis on lui enlève. À 4 reprises. Dieu m'a dit, elle a 28 ans. Son prénom commence par A. Qu'est-ce qui est caché derrière? Dieu lui dit, chaque fois qu'elle commence à s'attacher à vouloir ses données, ces hommes finissent par partir. Sans raison. Et j'insiste sur cet élément, l'élément répétition. C'est pourquoi les sages ont dit quelque chose de très important et que je prie ça peut-être votre partage, mon partage. L'Ecclésiaste 7, verset 14, il dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Quand tu vois les scénarios qui se répètent, les choses qui se répètent, arrête-toi, réfléchis. Ne te mets pas à dire c'est une coïncidence malheureuse. Un concours des circonstances. Ok, continue avec ton bon français. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, toujours coïncidence. L'année d'un jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi chaque fois ça n'arrive qu'à telle période? J'ai connu des familles où les garçons, les aînés n'atteignent jamais 40 ans. À 39 ans, ils meurent. J'ai connu une famille quand j'habitais la commune de Gagnéma à Lubène, à Kinshasa. Ils sont nés à 5 hommes en famille. Mais chaque premier garçon, juste avant qu'il ait 25 ans, crise de folie. Ça arrivait chez le premier oncle, le deuxième, le troisième. Et j'avais un ami, quand il a eu 24 ans, il a pris des précautions. Il s'est plongé pleinement dans la prière et il a été le seul à ne pas connaître cela. Vous savez, il y a certaines choses, même avant la révélation de Dieu, simplement l'observation. Tu réfléchis, tu vois. Dans notre famille, mes cousines, chaque fois qu'elles se marient, elles finissent toujours par rentrer. Mon pasteur me disait cette vérité que je n'ai jamais oubliée. Il dit, celui qui fait les prières préventives n'aura pas fait les prières curatives. Amen. Certaines choses, on n'a pas besoin que ça arrive. On voit simplement. Bon, quand je me suis converti, j'ai commencé à détruire, à opposer à deux démons. J'en parlerai surtout les derniers jours. Mon père, ils sont nés à 10, 3 femmes et 7 hommes. Tous les 7, mon père y compris. Ils avaient 2 tares. Jusqu'à il y a 5 ans, j'ai pensé que mon père n'avait pas connu la 2e tare. Jusqu'à ce que je découvre qu'il était aussi dedans. Mais les 7 autres, la première tare qu'ils avaient, ils étaient ivres avec I majuscule. Mon père, chaque fois que j'ai grandi, ça n'a rien intellectuel. Le seul moment où je le voyais lucide, c'est le matin quand il allait à l'école. Quand il est revenu, il fallait aller les ramasser au coin. Oh là, papa est tombé. Monsieur le directeur, brillant, intelligent, mais ivrogne. J'oublie jamais, en 74, j'avais 10 ans. Dans les maisons, j'ai vu à la maison, il était tellement ivre, souffrant que j'en parle. Il s'est déshabillé. Il a commencé à nous arroser avec son pipi. Mais quand il était normal, un homme brillant, intellectuel, je n'arrivais pas à comprendre.
Et quand je commence à avoir 16 et 17 ans, qu'est-ce qui a commencé à m'intéresser, vous imaginez? Chouba. Je prenais, je ne trouvais pas bon, mais j'y allais encore. Dieu merci, la conversion m'a arrêté. Deuxième tard, tous mes oncles ont eu des enfants extra-mariage. Tous. Celui qui en a eu moins, il en a eu 5. Je me souviens de mes oncles morts. Mes cousins étaient au cousin était au seul mané à 6. Mais ce jour on a vu 12 copies certifiées conformes qui entrent dans la parcelle. Un de mes cousins dit, ça c'est comme moi. J'oublie jamais ma tante, la femme de mon oncle. Ces jours-là, alors qu'elle pleurait, j'ai envie de prendre une chicotte et de frapper cet homme. J'ai envie de cracher hypocrite. Sa douleur, c'est épatée, c'est plutôt la colère. Quand elle a découvert tous ses enfants qu'elle ne connaissait pas. Et comme je disais, je pensais que mon père avait vaincu. Je pense qu'il y a 5 ans, j'étais allé au Canada. Je prie un jour, Dieu me dit, Roland, vous avez une demi-sœur qui a ton âge. Je dis, non. Papa ne nous a jamais dit ça. Il dit, quand tu rentres, va parler à ton père depuis plus de 20 ans. Il souffre, il ne sait pas comment vous en parler. Je rentre de ce voyage, j'atterris à l'aéroport vers 19h, 21h, je vais voir mes parents. Je prends d'abord ma mère, les protéger de maman. On n'est pas né en 5, on est en 6. Je dis, non, on est en 5. Je dis, maman, dis-moi. Je dis, voilà, j'étais au Canada. Eh bien, tu n'as pas la gueule, ça y est. Je dis toujours à votre père de vous en parler, mais il n'ose pas. Voilà les Émirats en parler. Je n'ai jamais vu comment mon père, ce jour-là, j'avais l'impression que j'avais 100 ans, lui, il en avait 8. Je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, il semble que tu as un enfant qui est en âge. Il a baissé la tête. Et puis cet ange commence à préjuger sa mère. Dans notre famille, il n'y a pas 2 démons. Je ne connais pas où ils viennent. Ils viennent par l'alcool. Ils viennent par... Seigneur, que jamais je ne connais ça. Vendredi, on va prier par rapport à cela. Nous allons refuser. En fait, nous ne pouvons pas répéter les scénarios de nos parents. Parce qu'avec vous, Dieu est en train de commencer une nouvelle génération. Amen. Et parlons maintenant du principe attaché à la malédiction. Nous allons voir une bonne dizaine. Le tout premier principe, c'est que la malédiction est un mystère. La malédiction est un mystère. Ça dit quelque chose n'est pas logique, incompréhensible, difficile à appréhender par la raison. Qui peut comprendre la malédiction? Nous en avons parlé il y a 2 jours. Josué chapitre 6, au verset 26, Josué prononce des paroles que personne ne rebâtit ces Jéricho. Des paroles. Celui qui lui a osé le faire, son premier ne va mourir, et puis son fils cadet. Parole. 800 ans après, Yael de Bethel vient rebâtir, les choses s'accomplissent. Qui peut l'expliquer? Nous avons lu aussi. Marc chapitre 11, verset 14, 20 à 21, Jésus regarde ses figuiers. Il dit que plus personne ne mange et n'en fuit. Parole. Mais les paroles ont des effets sur la matière. 24 heures après, quand il revient, les disciples sont effarés, étonnés, estomaqués. Seigneur, le figuier que tu avais mangé, non seulement qu'il a séché, mais il dit, ça a séché jusqu'à la racine. Processus des 4 mois minimum, d'après les botanistes. Mais en 24 heures de parole, on non seulement enclenché ce processus, mais l'ont amené jusqu'au bout. Mystère. Deuxième principe attaché à la malédiction. La malédiction peut se passer sous plusieurs supports. La malédiction peut se passer en parole, en serment, en formule ou imprécation, mais aussi par des actes que l'on pose. Nombre chapitre 23 et 24, on parle de Balaam. Il a voulu maudire, mais derrière cette malédiction, il y avait tout un scénario. Il a monté sur une montagne,
Je dois couper les animaux et puis dire des choses. J'ai dans la vie des fois fait une maman qui enlève ses habits et qui prononce des choses en montant les parties que je ne voudrais pas citer ici. Troisième principe attaché à mon émission, en termes d'agent causal, nous devons dire deux choses. La première, c'est que nous-mêmes pouvons être à la base des malédictions. Nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment. Mais deuxièmement, il y a des malédictions que nous pouvons subir. Ce n'est pas causé par nous, mais c'est causé par d'autres personnes qui nous le font subir. Dans Genèse chapitre 27, au verset 12, la Bible nous montre la peur de Jacob. Alors que sa mère veut l'appeler à se faire passer pour son frère, il a conscience que s'il pose certains actes, il peut être un agent causal de la malédiction. Écoutez comment il réagit. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Écoutez ce qu'il dit. Et je ferai venir sur moi la malédiction. C'est-à-dire par l'acte que je pose, c'est moi qui veux la réfuter. Elle ne vient pas d'elle-même. L'acte que je pose, j'en parlais tout à l'heure, il y a des actes que nous posons qui invitent la malédiction. Quatrième principe, en étudiant la parole de Dieu, la malédiction peut avoir divers rayons d'action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, la malédiction peut toucher un seul individu. Mais deuxièmement, la malédiction peut toucher un groupe d'individus, une famille, une tribu, une église, une province, un pays. Mais troisièmement, la malédiction peut être aussi sélective. Elle touche une particularité. Un roi 16, verset 36, quand hier a posé l'acte, ça n'a pas touché tous les enfants de la famille, ça a touché le premier-né et le dernier-né. Je veux quelquefois, il arrive que la malédiction touche simplement les filles. Je connais une famille abandonnant les filles ne se marient jamais. Si elles se marient, elles finissent toujours par retourner. Une autre fille peut progresser, mais les garçons ne réussissent jamais. Et quand vous remontez dans l'histoire, c'est qu'une parole a été prononcée sur les fils ou les filles de la famille. Cinquième principe, la Bible nous montre aussi quatre autres choses en rapport avec la malédiction et leur cause. La première, c'est que Dieu peut être à la base d'une malédiction. Dieu peut être à la base. Genèse 3, 14 et 17, c'est Dieu qui a maudit les serpents et c'est Dieu qui a maudit aussi les sols à cause de la désobéissance d'Adam. Mais deuxièmement, l'homme lui-même, par les choses qu'il fait ou qu'il ne fait pas, peut causer la malédiction. Et Deutéronome 27 est rempli de cela. Deutéronome 27, verset 16 dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Tu les prends à la légère, la malédiction s'attache à toi. Deutéronome 27, verset 19, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de la veuve et de l'orphelin. Un homme meurt, il a souffert, il a travaillé avec sa femme. Et vous venez, vous prenez la veuve, vous la chassez. Vous prenez tous les effets. Ces pleurs, ça ne va jamais vous attirer la bénédiction. Jamais. Vous prendrez ces véhicules, vous roulerez 3 mois et puis tout va finir. Les droits de l'orphelin, surtout nous en Afrique. Des fois, on n'attend même jamais qu'on enterre la personne. On est en train de pleurer où sont les clés. Oui, la clé de la balle. C'est comme s'il souhaitait qu'il ne mettra pas une toi-même. Troisième chose, il peut arriver qu'un homme, intentionnellement, appelle la malédiction sur quelqu'un d'autre. La plupart des fois, c'est dû à la frustration. Quatrièmement, j'ai dit cela. Un homme ayant autorité sur l'autre. En Genèse chapitre 9, au verset 25, alors que les fils qui avaient vu la nudité a caché la nudité de son père, un autre l'a pas caché. Les contextes montrent deux choses.
Non seulement qu'il en a fait la publicité à d'autres, mais la tradition juive dit qu'il est allé faire la publicité des mensurations de son père. En disant, papa, que vous avez vu, il a 12 cm. Il a cessé, il en a fait la publicité. Et quand le père se lève, il dit, maudit soit Canaan. Frustration. Dérangé. Les choses dont on n'aurait pas pu faire publicité. Maudit soit Canaan. Et lui-même dit qu'il soit l'esclave de ses frères. Simplement des paroles, mais ça s'est accompli. De Rois chapitre 2, verset 24, on en a parlé. Le prophète Élie est concerné de se promener et les jeunes gens se mettent à se moquer de lui. Chauve, monte, chauve, monte, chauve. Il avait dit, il est maudit au nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qui arriva? La Bible dit, deux ours mangeaient ses 42 enfants. Quel rapport y a-t-il entre les paroles qu'il a prononcées et des ours? Et comme je le disais l'autre fois, ces ours ont été sélectifs. Ils n'ont pas bouffé tous les enfants, seulement les enfants qui ont chanté. J'espère que tu ne dis rien de ma calvitie. Deutéronome chapitre 28, verset 23. La Bible nous montre les effets de la malédiction. Étonnant. Et vous savez, le verset 23 dit, le ciel sur toi sera des reins. Et la terre sous tes pieds sera des fers. Ce n'est pas partout. Les autres ont la pluie, mais sous toi simplement. Tu es étonné, tu plantes avec les autres. Chez les autres, la pluie tombe pour arroser chez toi. Tu dis, je me déplace, je vais aller chez l'autre. Quand tu arrives là, là où tu étais, ça pleut. Et là où tu étais, tu arrives, ça ne pleut pas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as un problème. Qu'il est triste de s'associer à quelqu'un qui est maudit. Malheur à la femme qui épouse un homme maudit, qui a liquidé. Malheur à l'homme qui s'attache à une femme maudite. Toujours Deutéronome chapitre 28. Le verset 33 dit, tu seras toujours opprimé et écrasé. Tu seras toujours diminué. Tu es les grands frères, tellement on dit rien n'est réussi, on commence à t'ignorer. Réunion des familles, tant que le cadet n'est pas là, on commence pas. Mais dis, je suis là, toi, même si tu es là, tu es comme si tu n'es pas là. Diminué. Sans considération. Le verset 34 va plus loin, en montrant les décrets, les dérangements que la malédiction a produit, les spectacles que tu auras sous tes yeux, te jettera dans les délires. La version donc dit, tu sombreras dans la dépression à force de regarder ce que tu auras sous tes yeux. Et le verset 37 dit, le matin tu voudras que le soir arrive, et le soir tu voudras que le matin arrive. Sixième principe, le but de la malédiction est toujours pointu. Quand la malédiction arrive, elle vise quatre objectifs. La première, la malédiction va amener la frustration. Elle veut être frustrée. Les hommes du monde disent toujours la déception est proportionnelle à l'espérance. Et la malédiction provoque la frustration. Tu espères, mais tu n'as pas. Deuxièmement, la malédiction provoque le découragement. Troisièmement, la malédiction provoque une complète infériorité. Tu ne le dis pas à haute voix, tu commences à te sentir moindre que les autres. Moindre en famille, tu ne le dis pas, même au travail. Tu te sens moindre. Ceux qui sont venus après toi connaissent promotion sur promotion. Quand les gens t'entendent parler français, ils disent, mais cet homme, il mange le dictionnaire au petit déjeuner au bout. Mais il ne réussit jamais. Plein de diplômes, mais tu ne vas jamais loin. Complexé. Vous n'avez aucune idée des complexes qui sont cachés derrière le maquillage. Le maquillage à trois niveaux, fond de teint, puis un premier couche, deuxième couche, mais les complexes, c'est là. Quatrième conséquence de la malédiction, c'est les doutes.
les doutes sur soi-même, les doutes sur la vie et les doutes sur Dieu. Des fois, tu commences à te regarder, je te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Une jeune fille me disait, pasteur, regarde dans cette église, j'ai assisté à ce mariage, c'était un samedi, j'étais pasteur assistant là-bas. J'ai vu les quatre filles qui se sont mariées. Il dit, pasteur, regarde les trois filles, elles ont des jambes comme des joueurs de rugby. Et dit, moi, je fais un embouteillage de beauté, les hommes ne voient pas. Tu commences à dire, qu'est-ce que je n'ai pas? Tu fais pédicure, manicure, toutes les cures, pédicure. Mais rien ne marche. Tu as une démarche à la française. Mais les jeunes filles qui marchent comme le double les deux, on le sait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Frustration, découragement, complexe, doute sur soi-même, doute sur la vie, et doute sur Dieu, on commence à dire, je suis venu dans ce monde accompagner les gens. Je ne suis qu'un spectateur, une spectatrice. Quand la malédiction est attachée à nous, les gens moins bien nantis, moins bien lotis que nous ont les résultats meilleurs. Il n'arrive pas à savoir comment, avec toutes ses aptitudes et ses compétences, je n'ai pas les résultats. Quand la malédiction s'invite, certains ont moins d'atouts que nous, mais ont plus de résultats. Quand la malédiction s'invite, vous n'allez jamais au bout des choses. Les diables s'arrangent toujours quand la malédiction est là, soit que les choses ne commencent pas, ou soit quand elles commencent, elles aboutissent jamais. Il s'arrange, c'est que ça ne commence pas. Trois fois, quatre fois, cinq fois, tu fais les concours, tu es sélectionné. Interview, c'est quand vous restez trois. Tu commences déjà même à vouloir dire cette fois-ci, ça y est. J'ai vu même lors de l'interview comment la personne m'a regardé. Tu attends les coups de feu, ça ne vient pas. Une fois, deux fois, quatre fois. Autre chose qui entraîne la malédiction entraîne toujours comme un seuil que vous ne pouvez pas franchir. Comme disait l'un de mes pasteurs à Nairobi, c'est comme un mur de verre que vous ne voyez pas mais qui existe. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Écoutez ce que Deutéronome nous dit l'apôtre. Plutôt, le Seigneur en parle fortement. Et je lisais ça, je disais, waouh, qu'est-ce que la Bible est tellement claire. Tellement claire. Deutéronome chapitre 28, verset 37. La Bible dit, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. Tu n'as aucune idée comment ce monde de toi n'est prévu. La version française courant dit, les gens seront stupéfaits de ce qui t'arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. N'est-ce pas ce que tu vis? Objet de sarcasme. Même quand tu viens annoncer, il y a une personne qui s'intéresse à moi. On ira laisser elle, ça commence à me compter. Attends, dans trois mois, elle viendra pleurer ici. On se moque de toi, en famille, au travail, à l'école, à l'université. Septième principe, la malédiction a comme finalité ou destination finale la destruction. Et la même frustration, découragement, doute, complexe, mais la finalité, c'est nous détruire de l'intérieur et plus seulement de l'extérieur. En Deutéronome chapitre 28, au verset 20. C'est l'Éternel lui-même qui parle. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes tes entreprises. Et écoutez, jusqu'à ce que tu sois détruit. La finalité de la malédiction, c'est la destruction. La version Tob dit, jusqu'à ce que tu sois exterminé. Huitième principe, la malédiction, surtout celle qui vient de Dieu, ou que Dieu lui-même a laissé arriver, sont dus à plusieurs causes et à plusieurs raisons. La première, c'est lorsque nous pratiquons des choses que
que Dieu considère comme des abominations. Retenez bien ces choses. Il y a des choses qui sont des abominations que Dieu veut, ne veut pas que nous pratiquions. Si nous les pratiquons, nous devenons candidats à la malédiction. Et parmi ces choses, il y a l'inceste. Aller avec son frère, sa soeur, son cousin, sa cousine. Deutéronome 27, verset 20, dit: maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Deutéronome 27, verset 22, maudit soit celui qui couche avec sa soeur, fille de son père ou de sa mère. Abomination. Deuxième chose parmi les abominations, c'est aller avec des animaux. Deutéronome 27, verset 21. J'ai entendu parler des gens qui vont avec un jeune homme, m'a dit un jour, moi je vais avec des poules. Les femmes qui les font avec des chiens. Abomination. Pratique sexuelle prohibée par Dieu, principalement rapport par la voie anale. Il y a aussi la pratique de l'idolâtrie. Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Mais parmi les abominations aussi, il y a des actes qui montrent qu'on est sans cœur. Deutéronome chapitre 27, verset 18 dit: maudit soit celui qui égare un aveugle. Tu les fais en traduisant. Parce qu'il ne voit pas, tu les conduis sur un chemin où il ne doit pas aller. Pour toi, c'est un amusement. Ah, mais pour Dieu, tu as tiré la malédiction. Parmi les choses que Dieu considère aussi comme abomination, c'est tuer ou faire tuer un innocent. Tu sais que cette personne n'a rien fait, mais tu les fais tuer. Ennemi en politique, ennemi dans les affaires. Aujourd'hui, dans notre pays, on connaît des choses qu'on ne connaissait pas avant. Les poisons. Les gens sans cœur. Dans la nourriture. Foyer des véhicules. J'ai soigné le nom du pasteur avocat, on était à 22. On nous a servi à boire. 15 minutes après, quelqu'un est venu souffrir à l'oreille. Vous, les clients, allez mourir. Je lui dis pourquoi. Il dit: c'est, tu n'as pas vu les 22 bouteilles. Il y a ta bouteille qui est au 21 et toi qui bois. Je me suis rendu compte que personne ne le fait. C'est comme de la décoration. Réunion des pasteurs. Il dit: si personne ne fait confiance, il n'y a personne. Engager les gens, aller assassiner cette personne. Sa femme va pleurer, ses enfants vont pleurer. Rien ne marchera dans ta vie. Jeune dans la foi, j'ai parlé avec un homme qui longtemps était gouverneur dans l'ex-Osaïe. Je ne vais pas citer son nom ici. Au soir de sa vie, il avait des crises de folie. Il citait les noms de toutes les personnes qu'il avait assassinées. Parce que quand il était commissaire, je ne sais pas comment on les appelait à l'époque, ceux qui s'occupaient des provinces, le gouverneur, il a fait tuer plusieurs. Il est mort dans la démence. Pourquoi? Parce qu'il est sans cri. Et la Bible dit: celui qui fait ça, il attire la malédiction. Neuvième principe, il y a une forme de malédiction que la Bible qualifie d'inefficace. C'est-à-dire incapable de produire des résultats. Malgré qu'elle a été dite, prononcée, malgré que les incantations ont suivi, les formules, la Bible dit clairement que cette malédiction est inefficace. C'est quelle malédiction? C'est la malédiction que la Bible dit qui est sans cause. Sans cause. Proverbe 26, verset 2 dit: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause et sans effet. Une malédiction qui est prononcée contre moi, mais si ça ne me trouve pas fautif, ça ne me fera rien du tout.
Qu'importe celui qui l'a souhaité, qu'importe ce qu'ils ont eu à faire. Même s'ils sont au-dessus d'un arbre à 28, à Calémie, la nuit, ils enlèvent les habits et disent, Roland, rien ne va marcher, ça ne va pas me toucher parce que c'est sans cause. La version française courant dit, une malédiction non méritée n'atteint personne. La version Tob dit, une malédiction gratuite ne peut atteindre. La version parole de vie dit, une malédiction injuste. Je travaille en tant que pasteur, qu'est-ce que je n'ai pas vu? En 2012, nous étions en train de prier à Philadelphie pour une sœur, 32 ans aujourd'hui. À l'âge de 28 ans, elle a commencé à avoir des hommes qui s'intéressent à 6 reprises. Ces hommes sont chaque fois partis, en l'humiliant. Et ce jour-là, la même écrit la réunion finie. Elle disait, j'en ai assez de tout dériver, de partir hier. J'ai envie de me suicider. Alors qu'on s'est retrouvé, elle était en pleurs, on a commencé à prier. L'un de nous a dit, arrêtez. Il dit, je vois une image, Libreville, 2006. Il dit, je te vois, tu es allé dans une sorte de colloque et tu as rencontré un sujet malien qui a commencé à te faire la cour et vous avez commencé à sortir ensemble. Vous êtes restés ensemble 10 jours. Vous savez, j'aime sur les choses, les plans spirituels, les choses que les gens aiment lire et les choses que les gens peuvent lire. Ils aiment dire, moi je suis colérique. Il y a des choses qu'ils peuvent lire, ils voient les décrets. Et confiance, ça va changer l'attitude quand je dirai ça. J'avais volé 100 dollars, je me dis, c'est pas grave, vous m'avez dit, oh, là, j'avais oublié, j'avais volé 200. Il y a d'autres choses, les choses que les gens les diront, jamais, que des coffres forts nous avons. Et cet ami dit, je vois un soir, vous êtes dans la chambre, et vous venez de prendre du bon temps ensemble, et cette personne dort. Et je vois que tu ouvres sa mallette diplomatique parce que tu avais retenu les codes. Et je vois que tu fais ça pour 14 800 euros. Et je vois le lendemain matin, il t'a posé la question, est-ce que tu as ouvert? Tu as dit non. Est-ce que tu n'as pas pris mon argent? Il me dit, tu as même commencé à pleurer, tu faisais passer pour la victime. Les femmes, elles sont terribles. Elles sont fautives, mais elles renversent les choses. Il dit à la fin, c'est cet homme qui a demandé pardon de t'avoir soupçonné, alors que tu savais que tu avais volé. Mais il dit avant que vous puissiez quitter cet homme, a dit, c'est lui, parce que lui pensait que c'était peut-être les gars, les personnes qui s'occupent de l'argent. C'est lui qui a pris cet argent, rien ne marchera dans sa vie. Malédiction avec cause. Et l'homme de Dieu lui a dit, Dieu me dit pour que ça puisse partir, chasse le numéro de téléphone, appelle. Que des gens que nous gérons dans nos églises, qui ont des problèmes ramassés quelque part. Mais nous les voyons comme des innocents, alors que ce sont des coupables à venir dans la CPI. Ils viennent nous donner des mots, des têtes, alors que soit ils savent, mais quelquefois ils ont oublié. Je me retrouve un jour avec un groupe d'amis à Jérusalem, à la jeunesse d'abord, en 91. Un jeune frère brillant à l'école primaire, brillant à l'école secondaire, brillant à l'université, il avait fini à 22 ans, il cherche du travail, ça ne vient pas. Et puis du coup, ses jambes commencent à gonfler, une forme d'éléphantiasis. Et puis commence petit à petit à avoir les crises où il tombe. On l'amène dans toutes sortes d'examens, mais on se retrouve en train de prier, jamais quand l'esprit prophétique est là. Je peux s'asseoir avant lui. L'esprit de Dieu a saisi une jeune fille qui était à nos côtés. Il m'a dit, pasteur, je vois une scène, il avait 8 ans, ils sont allés avec son jeune frère jouer au fleuve. Ils habitaient à plus de 4 km du fleuve. Ses parents ne voulaient jamais qu'ils aillent au fleuve. Alors arrivés au fleuve, ils ont commencé à faire un jeu. Vous savez, je t'ai fait boire quelques gorgées. Il dit, ça, son frère lui a fait ça, son frère avait 10 ans, c'était l'enfant chéri des papas et maman. Et lui, là, quand il a placé son frère, avant son frère a glissé entre ses mains, alors il pensait comme si ça arrivait souvent, maman, il va ressurgir derrière. 5 minutes, il ne ressort pas. 10 minutes, il ne ressort pas. 1 heure, il ne ressort pas. C'était à 10h jusqu'à 16h, son frère ne sort pas. Il a commencé à se demander qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est arrangé, il est sorti, il est rentré à la maison. Il arrive à la maison, il ne voit rien. 2 jours après, on retrouve le corps de son frère mort, déchiqueté par les poissons. Papa a pleuré, il a pleuré.
C'est lui-même qui a appelé, quand on lui a tout dit, il en a appelé un voyant. Le voyant commence à dire non, on l'a bouffé. Il s'est dit, ces gens-là, je vais dire les faux voyants. Et les gens aussi trafiquent avec des esprits mauvais. Et le jour où on a enterré papa prononcer la parole, il dit, celui qui est à la base de ces choses, rien ne marchera dans sa vie. Et puis lui, il était là. Et puis quand tout est sorti, le jeune homme a dit, personne au monde ne connaît ça. Il n'y a que moi. Que des gens qui ont des coffres forts. Les secrets qu'ils gardent, ils ont des sages, je les dirais. Je me suis posé la question. Comment à l'âge de 8 ans on peut commencer à porter un tel secret? 8 ans. Juste à 24 ans, 16 ans après. Et l'homme de Dieu lui a dit, je te dis simplement, je lui dis, papa est vivant, va lui parler, ses jambes vont blesser. Il dit, il va me tuer. Il s'est le prix à payer, je ne vais pas t'obliger. 10 jours après, deux amis l'ont accompagné et tout le monde. Il a parlé le soir, mais l'homme le matin s'est réveillé, les gens ont prévenu. Normal. Que les choses que les gens font. Philadelphie commence, une jeune fille vient me voir. Elle a commencé à voir son corps qui était en train de pourrir. Des galles, des boutons qui sortent partout. Puis j'ai un problème. J'ai 23 ans. Voilà les galles qui sortent, ça part et ça revient. Et alors que nous prions, l'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un. Il dit, je te vois quand tu avais entre 16 ans et demi et 17 ans, un sujet libanais a commencé à s'intéresser à toi. Vous êtes allés ensemble une fois, mais ce n'était pas une période féconde, mais tu avais trois autres copains, dont un était fumeur de chambre. Et celui qui t'a embrossé, c'est le fumeur de chambre. Mais quand tu es tombé enceinte, tes cousines t'ont dit, il faut mettre ça sur le dos du Libanais parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et les Libanais, puisque c'est bien, on est allé une fois, qui sait si ça ne peut pas être moi. Mais comme elle était mineure, 16 ans et demi, on a arrêté ce sujet libanais, on l'a amené à Makala. Et les conditions d'internement étaient tellement dures que 4 mois après, il est mort. Mais il semble qu'avant de mourir, il ne faisait que déclarer, si la grossesse est des mois, que tout marche dans sa vie. Mais si la grossesse n'est pas des mois, rien ne marchera dans sa vie. Et un de ses amis, c'est le dernier jour de la prononcer, et elle commencera à vivre et à pourrir. Et c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas assisté quand ces mots étaient dits, mais les conséquences. Je dis, comment les gens peuvent être comme ça? Tu sais que les vrais fautifs, c'est les fumeurs de chambre. Mais tu vas amputer, c'est la regret, et tu restes calmement. Tu penses qu'il n'y a pas un Dieu au ciel? Le pleur de cette personne, ça va te laisser intact. Je priais, Dieu m'a donné ce passage. Je vais terminer avec un dernier exemple avant d'aller plus loin. Dans le Proverbe 28, verset 13, celui qui casse ses transgressions est prospère. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui casse ses transgressions est prospère. La prospérité, là, ce n'est pas seulement l'argent. C'est rien ne réussit. Tout ce qu'il fait échoue. Il y a des choses, il ne faut pas simplement demander pardon à Dieu. Il faut s'ouvrir. Allez soit auprès de la personne fautive ou alors aller devant les hommes de Dieu. Je voudrais vous encourager cette semaine qui va commencer. Venez vous rire. Je priais ce matin, j'ai vu des hommes et des femmes venir en grande quantité et vous leur donnez le sel anglais. Venez, ils vomissaient. Certains, quand ils vomissaient, vous appuyez les ventres jusqu'à ce qu'il y ait seulement la salive blanche ou un color qui sort. Mais tant qu'il y avait des choses verdâtres, vous appuyez. Je prie que vous ne puissiez pas continuer à garder ces choses. Vous détruisent. 2012, je prêche dans une église à Mondafula. Un papa vient me voir. Il ouvre son pantalon, il dit, ma jambe droite est totalement pourrie. Et la gauche pourrie à moitié. Mais je sais d'où ça vient. Il dit, je fais partie de l'équipe de comptage de l'église, mais je suis aussi le financier de l'église. Depuis 10 ans. Je ne fais que fournir les offrandes de l'église. Je tire là, je dis, à l'égard, à Kawa Koïda. Dis-nous, même si on t'avoue à l'échelle pour voler, juste dans la maison de Dieu, je t'encourage pas à voler, mais je dis, c'est finalement, tu dois coûte que coûte voler. Fais-le ailleurs. Enfin, je ne vais pas dire ça totalement. Mais simplement, si je ne le fais pas dans la maison de Dieu, l'argent sacré.
Il dit de deux, trois fois l'Église a acheté les parcelles. Et comme c'est moi qui étais dans la commission, la première fois on a dit 40 000, j'ai dit aux autres, ajoutez 20 000. Et les 20 000, c'était à moi. Les offrandes, les dîmes que les gens gagnent à la sueur de leur front. Mais il m'a dit, voilà ce qui a commencé. Et il m'a dit, avec cet argent, j'ai acheté trois parcelles. Mais toutes ces trois parcelles sont tombées par l'érosion. Il dit, par cet argent, j'ai envoyé trois de mes enfants en Europe, mais les trois sont en prison maintenant. J'avais dit, mieux vaut peu avec la paix. Et beaucoup. Pasteur Timothée, je suis étonné. Un jour, mon aîné, le pasteur Jean-Claude Safari, m'a dit quelque chose. Je dis, waouh. Ils avaient deux cultes ce dimanche-là, le premier culte fini, il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait plus. Et puis un frère qui avait oublié sa Bible et qui n'habitait pas très loin, il est venu à l'église, il dit, je cherche ma Bible. On y va à l'endroit où on fait les comptages, c'est là où on garde toutes les choses oubliées. Et puis la Bible, il trouve toutes les comptages, j'étais à 8, en rigolant simplement. Il dit, ouf, les entrées d'aujourd'hui doivent être fortes malgré la pluie. On dit, non, les offrandes doivent être à tête, c'est qu'il a frappé les dîmes. Il dit, mais il n'y avait que 300. Il dit, non. Anormal. Il dit, moi, j'en ai jamais amené une dîme de 7000 dollars. J'en ai dans une grosse enveloppe kaki. 7000, non, 6000, 6000 dollars dans une enveloppe kaki. Et si vous dites qu'il y a 300, c'est faux. Il dit, je ne partirai pas d'ici avec le pasteur Jean-Claude. Pasteur Jean-Claude, j'entends que la dîme, il y a fait 300. Moi, j'ai remis une dîme de 6000. Le pasteur regarde le frère et dit, je vous fais tous confiance, on va contrôler. Et quand on a commencé à contrôler le plus vieux, on trouve la grosse enveloppe. Quand le pasteur lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Écoutez, non, la dîme, c'est pour les Lévites, en tant que Lévites, j'ai pris ma dîme. Mais prends-la officiellement. Vous savez, quand quelqu'un veut faire les mains, il trouve toutes sortes d'excuses. Je n'ai jamais oublié, ce n'est pas des noms d'affolage, je lui ai dit, Dieu me dit, va confesser devant ton pasteur. Ça, il y a des réalités spirituelles. Il a confessé deux semaines après. Ces gens sont revenus en bon état. Celui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Celui qui les a volés de l'est sorti la nuit, c'est encore. Jacques chapitre 5, verset 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et la Bible ajoute la prière fervente et juste à une grande efficacité. Jacques 5, 16. Dixième principe, aucune malédiction n'est éternelle. Aucune. Toute malédiction a une date de péremption. J'en ai la certitude, ta malédiction a une date de péremption aujourd'hui, à 14 février 2018. Même quand on fait le médicament, on dit que ces médicaments, il faut les consommer jusqu'au 28 mars. Après le 28 mars, ça n'a aucun effet. Je voudrais dire à quelqu'un, ta malédiction a une date de péremption. Et Dieu a décidé au travers de ce séminaire que ta malédiction a Deutéronome 23, verset 5, par le nom de Dieu capable de changer la malédiction en bénédiction. Amen. J'aime quand les rébâtisseurs, Néhémie a dit, notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. En Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, la Bible parle de l'œuvre de la croix. Il a effacé l'acte des ordonnances, nous condamner. Seigneur, efface-la ce soir. Il a effacé l'arbre des ordonnances pour condamner et qui subsistait contre nous. Dans Amos, chapitre 1er, chapitre 2, il y a un terme qui revient le plus souvent, que Balaam aussi utilise. Notre Dieu est le seul capable de révoquer la malédiction. C'est-à-dire de l'annuler, l'annihiler. Et Dieu nous a envoyé ce soir à révoquer la malédiction. Il m'a dit, oh non, ton frère, le pasteur Timothée, maman, toi, tiens-toi. Je vous ai donné le pouvoir d'être des révocateurs de malédiction. Et ce soir, nous allons dire malédiction, stop. Ton règne est fini, quel que soit ton enracinement. C'est pourquoi un seul doit dire Amen. Onzième chose, pour solliciter la fin ou l'extinction de la malédiction, il y a quelques pistes. Il y en a quatre principalement. La première piste pour solliciter la fin ou l'extinction de la malédiction,
c'est être conscient ou conscient de sa présence en lui. Laisse à Dieu ce soir que quelqu'un s'arrête, fasse l'anamnèse et s'arrête et dise, dans ma vie, il y a quelque chose qui va. Ces scénarios qui nous font que c'est répété, c'est anormal. Il y a comme une manoir, il y a quelque chose. Deuxième piste pour arrêter la malédiction, être conscient de l'incapacité que nous avons naturellement à l'arrêter. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Je me souviens, on était petit, les gens prononçaient des paroles négatives contre notre famille et surtout notre maman. Et notre maman s'élevait et disait, vous ne savez jamais leur enterrer mon nombril. Quel rapport y a-t-il entre les nombrils et ces choses? C'est plus spirituel. Être conscient, conscient qu'on est incapable de l'arrêter. Troisièmement, faire notre part en faisant ce que nous devrions faire. Et dans cette part, des fois, c'est la confession. C'est le fait de vomir certaines choses. J'aimerais encourager quelqu'un que cette semaine ne finisse pas ou la semaine prochaine. Va voir l'homme de Dieu. Va voir la femme de Dieu. Ouvre-toi. Vomis ces choses. Et quatrièmement, s'en remettre à Dieu en se tournant vers lui, car lui seul est capable d'arrêter la malédiction. Dans le psaume 28, au verset 1er, le psalmiste dit, l'Éternel, c'est à toi que j'écris mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Donne-moi quelqu'un ce soir qui dit, je n'ai que Dieu. Dieu, si tu ne fais rien, j'en ai fini. Tu es ma dernière solution. Tu es mon joker, tu es ma dernière carte. Dans le psaume 61, verset 3, le psalmiste dit, du bout de la terre, je crie à toi, les cœurs abattus, conduis-moi vers les rochers que je ne peux atteindre. Amène-moi vers ces niveaux que je ne peux atteindre. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 19, la partie B. Et quand j'ai prié tout à l'heure, vers 15h30, j'entendais comme plusieurs cœurs qui lançaient ces cris. Il dit, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, j'en ai la certitude, il va déchirer les cieux ce soir, il va descendre. Douzième et dernier principe, et je termine, alors que je demande à l'orchestre de s'apprêter, parce que nous allons d'abord élever ces dieux et les laisser agir. Prenez place, parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de temps mort, mais d'abord, m'aider à me chanter mon aîné, c'est Dieu grand. Et puis nous allons demander à l'esprit, pour les mots quitta, tout s'est au salat. Maman Toutier, pasteur Timothée, Dieu m'a dit clairement, quand j'ai pris, je voyais Maman Toutier, moi, on prenait comme, on avait comme des machettes, on coupait les arbres dans la forêt. Mais puis à la fin, on a vu le pasteur Timothée venir pour tout ramasser. Dieu m'a dit, on fera un premier travail en duo, et puis toi, tu viendras compléter. Je sais comment Dieu va te conduire, va nous conduire, mais quelque chose va se passer tout à l'heure. Dernier principe, notez, quand la malédiction cesse, ça se voit. Autant quand elle est là, il y a des symptômes, mais quand elle cesse aussi, ça se voit. On se voit la différence entre l'avant et l'après. Quand la malédiction s'arrête, il y a une évidence. Et Dieu m'a dit, Roland, la malédiction qui va s'arrêter ce soir, ce n'est qu'une question de jours. Les gens verront des semaines, ce qui n'avait pas aura lieu, ce qui n'arrivait pas va arriver. En Genèse, verset, chapitre 30, verset 30, 23, cet homme a dit, Dieu a enlevé mon opprobre, que Dieu enlève ton opprobre. Dans Josué, chapitre 5, verset 9, le peuple est sorti d'Égypte et Dieu les a arrêtés à Gilgal. Il a dit, on va faire la circoncision pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce que l'opprobre ou la malédiction doit être roulée. Et Gilgal veut dire l'opprobre ou la malédiction roulée. Dieu m'a dit, voilà, ce soir, vous allez expérimenter Gilgal. Cela ne vient pas de moi, de Maman Toti, du pasteur qui s'est monté. Ça vient de ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu redoutable. Je voudrais qu'on célèbre tous, célébrons, élevons, magnifions la grandeur de ce Dieu. Et puis nous allons les laisser à l'œuvre, lui, pas nous. Alléluia! Je n'ai pas envie de te perdre.
après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je me mets au bénéfice de l'œuvre de la croix. Là où tu as payé le prix pour moi. Vous.